Moi, je suis docteur Valentine Zernia. Je suis médecin dans les services de maladies infectieuses de l'hôpital Bichat. Dans le cadre de la lutte contre le VIH, on a mis en place depuis 2012 un partenariat avec les services de maladies infectieuses et l'association ACEPTESTE, qui accueille à Paris depuis 10 ans des femmes trans. En fait, cette population est particulièrement exposée au risque du VIH. Et une population avec des caractéristiques de précarité. La plupart sont des femmes trans migrantes originaires de Sud-Amérique avec un taux très faible de couverture sanitaire. Donc, ce sont des personnes qui nécessitent une prise en charge très adaptée. Actuellement, notre file active des personnes trans prises en charge à l'hôpital est d'environ 400 personnes trans. Suivi la plupart pour l'infection VIH. Et on a 130 personnes trans qui sont prises en charge dans les services pour la prévention du VIH, donc les traitements préventifs du VIH qui s'appelle PrEP. Pour la prévention du VIH, on a mis en place des consultations dédiées, spécialisées pour les femmes transgenres. Et on a mis en place depuis 2019 une consultation qu'on appelle « hors les murs ». Donc, ce sont des consultations spécialisées qu'on réalise dans les locaux de l'association ACEPTESTE. Avec cette circuit « hors les murs », on a amélioré la prise en charge de cette population. On a augmenté la file active à peu près de 60%. Mais les problèmes qu'on a, c'est toujours que c'est difficile de maintenir la rétention de cette population dans les systèmes de soins. Parce que pour les caractéristiques qu'elle présente, donc de forte précarité, travail sexuel, il faut vraiment mettre en place des stratégies pour aller vers cette population et améliorer la prise en charge globale de toutes les problématiques de cette population.